Je suis Najia Miadji, vous êtes dans mon atelier d'Essaouira, où je suis 6 mois par an. Dans le cadre de l'exposition qui va avoir lieu à l'Institut du monde arabe en mois d'octobre sur les artistes marocains, je propose un polyptyque de 4 œuvres qui s'appelle Mystic Dance. Et donc il s'agit en fait d'œuvres numériques qui proposent un regard sur la danse des derviches tourneurs. Quand j'ai fait ce travail, j'ai voulu mettre en avant le geste du peintre, un vrai geste pictural, un geste qui tourne, qui soit en même temps le symbole du passage du bas vers le haut. Et c'est comme ça que le mouvement de la danse des derviches tourneurs est apparu, s'est imposé par elle-même en fait. C'est à travers ce geste de rotation que ça s'est imposé. Et le blanc et le noir sont des couleurs spirituelles. Pour les soufis en tout cas, le blanc et le noir ont un sens spirituel. Et bon, la danse des derviches est liée au soufisme. Et c'est ça qui m'intéressait. Par rapport à Essaouira, le soufisme est totalement sous-jacent à cette ville, puisque c'est une ville qui a plusieurs confréries, dont celle des Gnawa, des Hamatcha aussi. Et moi, depuis 30 ans, je suis complètement plongée dans cet univers à la fois sacré et assez éloignée de la religion, quelque part. Parce que ces danses, ces transes, c'est quelque chose qui excède un peu l'humain. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et donc la danse des derviches tourneurs, bon, le derviche tourneur c'est Konya en Turquie, c'est l'Iran, enfin c'est Rumi. Mais j'ai trouvé un lien justement avec cette transe qu'on trouve chez les Gnawa et Essaouira et qui est un peu... qui dépasse les frontières du corps, du mental. Ça, c'est quelque chose de très fort. Les derviches tournent sur un axe et que dans toutes mes œuvres, il y a un axe. Ça ne tourne pas toujours, mais il y a toujours un axe. Il y a toujours une symétrie qui renvoie forcément à l'humain, mais aussi à certains motifs comme l'arbre. J'ai beaucoup travaillé sur l'arborescence ou sur la fleur, qui sont symétriques en fait. Dans la nature, on trouve beaucoup de symétrie aussi. Ce travail sur la danse des derviches, c'est vraiment quelque chose... qui fait un lien pour moi entre l'humain et le cosmique. C'est une danse qui est à la fois spirituelle et physique, qui est très physique parce que ça tourne et en même temps ça va vers la spiritualité. Et il y a les deux, quoi. Donc il n'y a plus de limite entre le corps et le mental. Et voilà, j'ai travaillé là-dessus en fait.